Cet épisode va être un peu particulier, il sera intégralement consacré à Ken Block. Le pilote américain a perdu la vie la nuit dernière dans un accident de motoneige à l'âge de 55 ans. Toute l'équipe d'Automoto a adressé sincères condoléances à ses proches. Ken Block, ce n'est pas un simple pilote automobile, c'est une star mondialement connue grâce à ses courts-métrages spectaculaires, les fameux Gymkhana. Des séances de glisse avec des sauts, des donuts, etc. C'est lui qui a popularisé ce principe inspiré des vidéos de skate et de snowboard. Tout commence en 2008 par une simple vidéo filmée entre potes alors qu'il s'entraîne pour le rallycross au volant d'une Subaru Impreza WRX STI. Diffusée sur son propre site internet, cette vidéo va buzzer et atteindre les 20 millions de vues en seulement 2 mois. C'est énorme pour l'époque. Ce succès va donner à Ken Block et à ses sponsors quelques idées. Entre 2008 et 2018, Ken Block va dévoiler 10 Gymkhana, un par an. Chaque vidéo est un carton absolu. Les Gymkhana du pilote américain ont été visionnés plus de 500 millions de fois. Ces vidéos ont dépassé le cadre de l'automobile, elles ont fait rêver des millions de gamins. Pourtant, à la base, rien ne prédestinait Ken Block à devenir pilote. S'il a quasiment depuis toujours pratiqué le skate et le snowboard, il se fait connaître en tant que cofondateur de DC Shoes en 1994. En 2004, les quatre fondateurs revendent la marque à Quicksilver pour la somme de 87 millions de dollars. C'est à partir de cette date-là que Ken Block va troquer sa casquette de businessman pour celle de pilote automobile. Sa carrière commence en 2005 à l'âge de 37 ans dans le championnat américain de rallye. Cette année-là, il est élu meilleur débutant. À partir de 2006 et jusqu'à 2009, il sera pilote de la Subaru Team Rally USA. Il va terminer 2 fois 2e et 1 fois 3e à l'issue de la saison. Parallèlement à sa carrière en rallye américain, il effectue 3 piges en WRC. Sa carrière prend de l'ampleur lorsqu'en 2010, il s'y consacre presque intégralement avec une Ford Focus RS WRC puis une Ford Fiesta WRC, préparée par M-Sport. Il court avec sa propre structure, le Monster World Rally. Le pilote américain va prendre 23 départs en championnat du monde des rallyes, avec comme meilleur résultat une 7e place au rallye du Mexique en 2013. En 2015, Jean-Pierre Gagic s'était rendu chez lui dans l'Utah pour rencontrer ce personnage hors du commun et sa collection complètement folle. Ford RS200, Escort Mark II RS, Escort RS Cossi V2, Mustang Unicorn RTR, Fiesta STRX 43, F-150 Unitruck et j'en passe. Jean-Pierre avait même eu la chance de faire du ski derrière son Ford F-150 Raptor à chenilles. Un passionné qui veut s'éclater, on lui donne les moyens de le faire et on en profite vraiment. Merci Ken Block. En 2021, la star américaine avait quitté son rôle d'ambassadeur Ford pour signer chez Audi. L'objectif de ce partenariat était d'effectuer des Gymkhana avec des voitures électriques. En novembre dernier, Ken Block avait diffusé son premier Electricana au volant de son Audi S1 Unitron à Las Vegas. Le résultat était à la hauteur de nos attentes. C'est le sujet de la question du jour. Afin de garder un bon souvenir de Ken Block, parmi ces Gymkhana, lequel est ton favori? J'attends ta réponse dans les commentaires. Businessman, pilote, showman, Ken Block a surtout révolutionné la production de films consacrés à l'automobile avec des standards de qualité très élevés. Merci pour tout, Monsieur Block. Ce numéro spécial est terminé. À demain. Allez, ciao!